Le ministre de la Réconciliation nationale Kwadio Konan-Bertin d'IKKAB a fait d'importantes révélations sur les relations qu'il entretient avec l'ancien Premier ministre Guillaume Soro et l'ex-ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé. L'ancien président de la Jeunesse du Parti démocratique de Côte d'Ivoire Kwadio Konan-Bertin est aujourd'hui ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale. Au cours d'une cérémonie d'échange de vœux avec les organisations de la société civile qui a eu lieu à son cabinet au plateau, il a confié qu'il entretient des relations étroites avec Soro Guillaume et Charles Blé Goudé. KKB reconnaît avoir côtoyé tous les grands politiciens de son pays lors de son intervention. Le ministre Kwadio Konan-Bertin a d'abord indiqué qu'il a fait « le tour de tout le monde ». En d'autres termes, il a côtoyé les régimes d'Henri Conan-Bédier, de Laurent Gbagbo et aujourd'hui, il a été nommé ministre par le président Alassane Ouattara. Je suis allé voir Gbagbo à La Haye plus de 10 fois, Laurent Gbagbo était à La Haye. Je suis allé le voir au moins 10 fois. Blé Goudé est un ami. Soro Guillaume est aussi mon ami. S'il vous dit le contraire, ce n'est pas vrai. D'ailleurs, je suis plus ami à Soro Guillaume qu'à Blé, a confessé Kwadio Konan-Bertin. Lire aussi Côte d'Ivoire, KKB à la recherche de Guillaume Soro. Kwadio Konan-Bertin a rappelé les discordes qu'il y a eu entre lui et son père, Henri Konan-Bédier, le président du PDCI. Pour lui, aucun fils, fût-il plus intelligent, ne doit avoir raison sur son père, et ce, conformément aux US et coutumes de l'Afrique. C'est vérité à Guillaume Soro, pendant près de 5 ans, j'étais en désaccord avec mon père Bédier. Tous les cadres du parti que j'allais voir, et tout me donnait raison, mais en public, il disait que c'est Bédier qui a raison. C'est comme ça l'Afrique, un fils ne peut avoir raison sur son père. Dans la situation que vit Soro, je lui demande en toute humilité, d'aller demander pardon au président Alassane Ouattara qu'il m'a présenté comme son père, a conseillé le ministre Kwadio Konan-Bertin.